Et oui, bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session de Machine à Sous, aucune perte sur la précédente partie Dead Canary. On a réussi à obtenir un bonus qui nous a permis de revenir à notre solde et une balance de 75 euros que je vais réinvestir sur une machine à sous que je teste pour la première fois et que j'ai choisi, à savoir Pirates de Mutiny, une machine à sous qui reprend les principes de la partie de la machine originale qui était Pirates Smuggler Paradise, que vous avez incroyablement réussi. Une machine à sous qui ne contient pas de joker mais des respins en cas de combinaison gagnante. Il faut former, comme la variante classique, 6 symboles adjacents pour pouvoir remporter un respin. Et vous avez le traditionnel bonus free spin, représenté par les symboles scatter, sous la forme d'une clé. Si on en découvre 3, on remporte des parties gratuites avec différentes fonctionnalités. Et vous avez également des symboles multiplicateurs. Si on arrive à remplir 2 lignes au minimum, on remporte un multiplicateur x2, et ainsi de suite, jusqu'au x25, ce qui doit être très rare. Mais voilà, objectif sur cette machine, espérer faire un joli bénéfice. Pourquoi pas atteindre les 100 euros de solde, et bien sûr, espérer avoir le fameux bonus. Allez, c'est parti, let's go pour cette première tentative sur cette machine, qui m'a l'air bien sympa. Et on a un gain ici, pour commencer. Un gain de 1,90. Ok, pas mal, pour commencer. Alors, on avait deux symboles gagnants différents, là. Mais c'est le meilleur qui est gardé, voilà. Alors là, on a du trèfle. Pour l'instant, ça commence pas trop mal. Ok, pas de multiplicateur, dommage. Mais un gain de 60 centimes, d'accord. Deuxième gain consécutif. Et on peut avoir une fonctionnalité. Ouh, dommage. On a failli y avoir un bonus, premier leurre. Une fonctionnalité aléatoire représentée par le crabe pirate que vous voyez ici. Avec les meilleurs symboles qui restent, par exemple. Pourquoi pas des blocs directs de Ice Symbol, voire espérer obtenir un gros gain. On va voir ça par la suite, évidemment. Oui, un gain avec le pic. Pour l'instant, pas mal de gains. Alors là, il en faudrait un deuxième rouleau. Ouais, c'est gagné en x2. Très bien. Pas trop mal. Voyons voir. 1,44, d'accord. Mal de gains pour l'instant. Alors je pourrais miser un peu plus, mais je vais histoire de tâter un peu la machine, histoire de voir ce que ça donne. Ok, on a des épées ici. Ah, ça s'arrête, dommage, pas de multiplicateur. Il y a un gain quand même de 1,40€. Ok, bon bah pas mal de gains pour l'instant. Un speed sur 2 gagnant à peu près. Voilà, machine à sous sympa. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le design. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. Alors, un gars ici avec le carreau. Il en faudrait d'autres. D'accord. Et ça s'arrête là. Ok, on est quasiment remboursé de ce speed. Voilà, le symbole skater. Il en faut 3 comme d'habitude. Une machine qui a un potentiel un peu plus élevé que la variante classique, puisque on multiplie jusqu'à x25 la combinaison gagnante éventuelle, alors qu'il me semble que c'était le x10 pour Pirates Smuggler Paradise. Dommage pour le cœur, on était pas loin d'avoir un respin. Tentative d'avoir un bonus. Ah là, on a des méga symboles. Je pense qu'on a un gain ici. Ouais, on a un gain. Alors, si on avait un multiplicateur là-dessus, ce serait bien. Bah, à gauche. À gauche, ce serait bien. Ah, dommage. Ah oui, ça change tout niveau gain. Il aurait fallu, d'autres symboles à se rajouter au rouleau de gauche. Mais on prend quand même. Voilà, possibilité de gros gain hors bonus également. Ça, c'est intéressant. Cette machine, j'aime bien. Bien. Dommage avec le crochet. Je
eu beaucoup de tentatives d'avoir le bonus. Ah, peut-être ici. Oh, c'est dommage. Il aurait fallu éventuellement un respeed pour pouvoir voir apparaître la troisième. Ça n'a pas été le cas, dommage. Deuxième leurre. Oui, on a gagné avec le symbole du trèfle. Allez, un petit poisson là-dessus. Ah, même pas. Même pas de multiplicateur. Ok, 36 centimes, pas énorme. Balance qui a légèrement diminué. Mais largement de la place, évidemment. Dommage, c'était presque gagné avec le vol du canon. Voilà, succession de speed perdants actuellement. Départ, là il y a pas mal de speed perdant malheureusement. Ah, interrompt la série. Allez, il faut du trèfle. Aïe aïe aïe. Dommage. Ok, 36 centimes. On prend, on a le choix. Oui. Première apparition du crochet. Ah, ça continue pas. Et là, c'est intéressant d'avoir des multiplicateurs sur des symboles qui payent un peu plus. Alors, le pic, ok. Ah, rien du tout. Ok, petit gain de 36 centimes. On repasse quasiment à 60 euros. Pour l'instant, perte de 15 euros. On n'a pas beaucoup vu le symbole scatter apparaître pour l'instant. Dommage aussi, il y avait pas mal de symboles de carreaux. Plus beaucoup de gains. Attention quand même. Ah dommage, j'ai cru qu'il y avait un gain avec le carreau, mais non. Allez, le bonus. Ah, c'est pas vrai. Le premier rouleau, ça n'a pas suivi. Là, j'ai vraiment le troisième leurre de la partie. Malheureusement. Et pas de multiplicateur. Bon, allez, il aurait pu en donner un quand même. C'est un vol. Un vol de trèfle. Bon, je pense que j'ai bien fait de miser que 40 centimes. Parce que là, la balance a bien diminué quand même. Et voilà, le troisième encore. Il manque à l'appel. Alors ici c'est gagné avec le cœur. Allez. Ouais, pas trop mal. x3. Ah, on est au x3. Enfin, on a fou le tableau. Oh, il en manque plus qu'un. Oh, dommage. Oh là là, dommage, on n'a pas eu le x25. Ah bah ça aurait tout changé forcément. 4,80, ouais, c'est pas cher payé. Mais on prend. Toujours ça. Ah oui, symbole du cœur. Pas le symbole de la pirate qu'on avait eu sur l'autre machine. On avait eu un gain énorme. Là, forcément, ça paye moins. Allez, c'est un peu mieux. On repasse à 55 euros. Un bonus là, idéalement. Ça serait top. Allez, ici, on... Ah, on a une fonctionnalité. Alors, la fonctionnalité de la clé. Fonctionnalité avec les meilleurs symboles qui restent, mais on n'a pas de gain. Ah, c'est dommage. Le canon, j'y ai cru, mais non. C'est pas empilé comme il faut. Ah, il peut y avoir même deux clés sur une même rangée. Alors, un symbole scatter. Il en manque deux. Un
pour être facile. Et même pas utile. Avant d'être spécialisé. D'accord, avec les symboles typiques. On en a deux. Et ça s'arrête là. Ouais, pas de fois deux. Bon, dommage. 44 centimes quand même. Ouais, c'est pas énorme. Exceptionnel pour l'instant. T'es tout proche d'avoir un pingouin, bah justement avec ce symbole, le symbole du cœur. Alors imaginez un high symbole en x25. Oh, non, c'est énorme. Ah, deux symboles skater. Là c'est jouable. Allez, on a encore une petite chance. Allez le skater, encore une chance. Là ça va être facile. Encore une chance, pas vrai. Oh, il est même pas venu. Il est même pas venu. Il manquait la troisième clé. Ça aurait été bien. Allez, on va patienter encore un peu. Ici avec la fonctionnalité du canon, donc les meilleurs symboles sont gardés. On enlève les petits symboles. On n'a pas eu de gain tout à l'heure. Est-ce qu'on va avoir un ici? Ouais, on en a un ici avec le canon. Un multiplicateur là-dessus, ce serait bien. Ah, bah, même pas. Dommage. Dommage, dommage. Bon, toujours en perte pour l'instant. Plus de 20 euros. Revenir bien sûr, vu le potentiel de cette machine. Alors pas de gain ici. Ah bah oui, les symboles scatter, c'est d'en avoir 3. Sinon on va pas aller loin. Ouais, encore une fois. Allez. On peut avoir un bonus à ce moment-là de la partie, ce serait bien. Un x25, on est pas loin d'en avoir un. Et, je passe sur un symbole qui paye, bah là c'est forcément un big win, donc même sans bonus on peut espérer s'en sortir. Pour l'instant c'est plutôt l'inverse qui se produit. Pas mal de spin à blanc là malheureusement. Alors un petit gain avec les carreaux. Pas trompé, c'est bien un petit gage. Malheureusement, 36 centimes, pas terrible. Ouais, le solde qui s'effondre là. Malheureusement, pourtant je mise que 40 centimes, mais voilà, pas mal de speed perdant également. Mais qui sait, un bonus qui fait la différence. C'est possible également. Des retournements de situation d'un inconnu tellement. C'est pas peut-être ici. Oh, c'est pas vrai. Toujours pas. Pas de chance. Vraiment pas de chance, là. Ah, ça fait bien le sixième speed perdant, là. Minimum. Sans gain, là. Et un moment. Allez. Bien démarré. Non, pas. Que se passe-t-il? Plus aucun speed gagnant, c'est rare. Enchaînement pareil. Ah, quand même, alors est-ce que ça se danger et mettre. Non, même pas. Ah là là. Terrible. Terrible. Pas l'air facile en plus. Ah, on a une
D'accord. Alors, il y a des épées ici. Mais encore faut-il un gain. Oui, quand même. J'ai mis du temps à réagir, mais il n'y a pas de multiplicateur. C'est pas vrai. Il n'y a pas rajouté de symbole. Quel dommage. Bon, allez. On va tenter de miser un peu plus. On a eu tellement de speed perdant que j'ai tendance à croire que ça va être peut-être mieux ici. Ah bah voilà, peut-être. Justement. Ah ouais, mais il n'y a pas de... pas de symbole à se rajouter. Bon. Si. Pourtant, on peut revenir. Hein. Je crois toujours. Hein. D'abord. Pause bonus. Pause bonus, sinon... Ouais, c'est trop tard malheureusement. On n'a pas eu beaucoup de symboles gagnants avec les symboles qui payent le plus pour l'instant. On l'a pas vu. Alors, toujours rien. Oui, pas mal de cœurs ici. Allez, un full light cette fois-ci. Tableau, même pas. Oh là là. Quelle malchance. Quelle malchance. C'est pas un tel scénario. Même si on peut toujours avoir de belles surprises. Ah bah peut-être ici justement. Premier gain avec ce symbole ou deuxième. Alors là il en faudrait d'autres. Ok, c'est pas trop mal, x2, d'accord. Ah, x3, pas mal. Allez d'autres. Oui, oulala, j'y crois pas. Allez d'autres. Ce serait dingue. Oh, x5. Ça, c'est pas mal, je pense. Ah bah voilà. Magnifique, il est beau celui-là. On revient de loin, en prenant, pas mal. C'est pas loin du x25. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un x10. Mais voilà, on peut pas avoir tous les multiplicateurs. Mais il aurait fallu peut-être un rouleau supplémentaire parce qu'il y a trop de différence entre les deux. Mais voilà, magnifique gain. Bon, eh ben on revient presque à 60 euros. Ah, autant les atteindre. Le bonus, j'ai pas l'impression qu'ils veulent se manifester. Ah, on prend un joli gain ici. Ce qui va nous refaire des rajouts de symboles. D'accord, x2. Ah, x3 peut-être. Non, j'y crois pas. x5. Allez, un full line. Oh, dommage. Oh, dommage. Et encore un big win. Ben voilà. Vous allez patienter. Ben, c'est cool. Incroyable. On revient à un autre sol. Encore une fois. On revient à un sol. 70 euros. Bon. Moi, je m'arrêterai bien quand même. Parce que bon, c'est 40 centimes le minimum. On peut refaire un speed. Et je préfère m'arrêter là parce que bon bah on n'a pas eu le bonus, mais on a eu tellement de spins perdants que c'est déjà un miracle de s'en être sorti, puisqu'on a quasiment rien perdu. On n'a même pas perdu 5 euros. Et grâce notamment à deux big wins de remporter quasiment coup sur coup. Donc on s'en est très bien sorti. En tous les cas, une belle machine. Vraiment, j'aime bien. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour ce solde quasiment intact, pour d'autres sessions de machines à sous plus vite. Bonne journée à tous. Bye!